Et salut les amis, c'est Harmony, nouvelle vidéo sur Monster Hunter. Le Théostra Alpha Suprême est disponible. Hein. Il reste quelques temps, je crois, je sais plus exactement. Je vous dirai dans la description de la vidéo combien de temps il va rester. J'ai pas le truc en tête là. C'est temporaire comme d'habitude, vous savez. Et après, ce sera le Kushala d'Aora Extrême qui va arriver. Alpha Suprême, moi plutôt. Donc, du coup, le Théostra il fait quand même bien mal. Hein. Les changements que je peux vous dire dessus, c'est qu'il met des explosions bien plus souvent. Vous savez, les sortes de petites. Une sorte de petite luciole lumineuse, en fait, qui explose un peu plus tard. Le fléau explosion, hein, du coup. Il en met quand il met des coups de patte, il en met pas mal autour de vous. Et ça peut être très dangereux. Et surtout aussi, il fait une attaque sautée qui est quand même plutôt dangereuse aussi. Il fait juste un bond, en fait. Hein. Et cette attaque-là, elle est dangereuse dans le sens où, en fait, j'ai l'impression qu'il vous tape dans le dos, en fait. C'est un peu bizarre. Et donc, il faudra quand même faire attention. Déjà, j'ai enlevé un petit peu mon talent boom sur ma gueule lance. Parce que finalement, je vais pas avoir. Je vais pas avoir suffisamment de survie contre lui en termes de résistance au feu. Parce que vous savez que le Valazak, regardez, il a une résistance au feu de moins 4. Et là, du coup, j'avais une résistance au feu vraiment très négative. Et je me faisais déchirer quand même par une moindre explosion. J'ai réussi à le tuer, mais c'était quand même pas évident. Et le but, c'est de le tuer de manière tranquille. Donc du coup, ce que j'ai mis des joyaux inifugés sur mon stuff. Hein. J'en ai mis 3, comme vous pouvez voir ici. Et j'ai mis 3 joyaux blindage pour être immunisé au fléau explosion. Donc là, voilà, il est bien contré, le boss. Je suis très résistant au feu, maintenant j'ai 11 en feu. Je vais manger la nourriture après, vous inquiétez pas, en plus pour avoir la résistance au feu très très élevée. Et je suis immunisé à son fléau explosion. Donc, il a quand même pas mal de vie aussi. Hein. Faudra faire attention, tout à l'heure je vous montre le costume pendant que j'y suis aussi. L'armure spéciale qui est magnifique de Devil May Cry. Alors attendez, ouais, si je mets tout changé, voilà, si je mets tout changé, ça ressemble à ça, hein, Dante. Moi du coup, je mets les lunettes teintées avec, je trouve que c'est bien mieux que le reste finalement. Je vais changer la couleur pour voir, je vais mettre du blanc. Tiens. Je le trouve vraiment stylé comme ça. Et les lunettes, attendez, les lunettes, je vais les changer, les lunettes aussi. Je vais mettre une couleur plutôt de par défaut, je crois qu'elle est pas mal, ouais, c'est pas mal comme ça. Là, je vais rester comme ça. Là, le skin est sympa, vraiment un super costume, donc pour l'avoir encore une fois, il faudra tuer le Théostra et livrer les tickets. À l'intendante, hein, je sais plus combien de tickets il faut exactement. Et vous allez obtenir ce costume là qui est vraiment très 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 fun. Bon bah c'est parti, écoutez, on y va, on va affronter le Théostra Alpha Suprême dans cette vidéo. Alors attendez, c'est ici. Le dédain du soleil, voilà. Limite de temps 50 minutes, hein, donc il peut être fait en solo sans aucun problème, bien sûr. On va prendre un petit coupon, ça fera plaisir aussi. Donc la gueule lance, ça marche très très bien. Donc paladin 5, ultra garde obligatoire encore une fois pour survivre à des attaques qui sont vraiment pas possibles de les parer. Autre truc sympa aussi, c'est vraiment de se protéger de n'importe quoi, hein, les explosions, souffle de feu. On fait de bons dégâts quand même, ça se passe bien. Je vous ferai aussi une vidéo au katana, on y ira. Il a une super armure aussi, je vous la montrerai. Pas dans cette vidéo, dans une prochaine vidéo je vous montrerai le mix que j'ai fait avec justement. C'est vraiment pas mal du tout. Là, l'armure du Théostra, elle est vraiment nickel. Je vous la montrerai dans la prochaine vidéo, justement, et on ira l'affronter au katana. Là, pour l'instant, je porte toujours mon set immortel. Le truc qui est bien, c'est la vitalité du Valazak, hein, surtout, qui fait que ça permet de récupérer de la vie tout le temps et très très rapidement. C'est ça le must, quoi. Bon, bah, allez, c'est parti, hein. Donc là, dès le début de la partie, je vais prendre tous mes buffs, etc. Le petit palico va me donner des buffs aussi. Je vais aussi prendre un breuvage frais, le truc qui augmente la défense, le breuvage de pierre et le breuvage démon, hein, pour augmenter l'attaque, etc. Puis là, on va y aller. Je porte 2 capes sur moi, la cape inifugée et la cape temporelle. Donc, ce sera nickel. Voilà, on se prépare bien. On va demander au petit palico de me buff le temps que moi aussi je me buff. Comme ça, on perd pas de temps. Le breuvage frais, je vais le prendre en même temps qu'il fasse sa corne de corail. Et voilà, là on est bien. Donc dès le début, je vais faire. Donc je vais aiguiser mon arme déjà. Dès le début, je vais faire la cape temporelle pour le burst un petit peu. Et après, là, on part en mode un petit peu défense, tout ça. Donc là, on est parti sur un mode défensif. Mais ça marche très très bien aussi. Puis au moins, vous êtes sûr d'y arriver sans aucun problème. Et dans la prochaine vidéo, on ira en mode offensif justement avec le katana, puis une autre armure, on ne prendra pas la vitalité du Valazak du tout, et ce sera très intéressant aussi. On va mettre les capsules aveuglantes direct.
Allez hop, c'est parti. Là vous avez vu, il met des explosions un peu partout hein. Faudra vraiment faire attention, ça fait très très mal. Enfin si, ça dépend de votre résistance au feu bien sûr. Si vous avez une résistance au feu négative, vous allez vous faire déchirer. Mais vraiment. Moi je l'ai fait avec ma résistance négative du Balazac. La première fois que je l'ai tué, j'en ai chié vraiment pas mal. Ça, ce genre d'attaque là, ça m'enlevait pratiquement la moitié de ma vie. Ok, il s'énerve, il vient de hurler un petit coup. Ma cape temporelle est bientôt finie, faut que je fasse attention. Là, j'ai pas encore eu d'ouverture formidable, on va dire. Ok, maintenant j'arrête de faire le con. Là, ma cape temporelle, d'ailleurs, il faut que je l'enlève. Ok, ce sera la dernière attaque que j'ai esquivée. Je vais mettre la capine effugée maintenant. Et là, on passe en mode défense. Donc là, faut se défendre vraiment sur les côtés. C'est un peu bizarre, mais... il tape vraiment sur les côtés un petit peu. Voilà. Ah, l'attaque sautée, c'est ça que je vous parlais. Elle fait vraiment mal, elle est un petit peu chiante à esquiver. Mais ma vie remonte, donc c'est pas trop un souci. Ça, c'est quand même plutôt nickel d'avoir la vie qui remonte quand même tout le temps. Ok, donc là, c'est la supernova. Moi, personnellement, j'en ai un petit peu rien à secouer. Voilà. Alors là, je fais attention. Voilà, c'est ça que je voulais esquiver justement. Ma vie va remonter, je me fais pas trop de soucis. Par contre, il faut que je tape pour ça un petit peu quand même. Ok, j'ai une ouverture. Feu de viverne, c'est parti. Donc j'ai pas le talent boom. Hein. Malheureusement, je n'avais plus la place pour le mettre. Ok, je me suis pris l'explosion, mais vu que j'ai une grosse résistance au feu plus la capine effugée, je prends pas beaucoup de dégâts. Ok, il va s'envoler. Et vous pouvez le flasher. Ça vous donnera une ouverture. Est-ce que le crapaud explose? Ouais, le crapaud a explosé. Impeccable. Mon tranchant a bien diminué, là. Faut que je fasse gaffe, quand même. Alors, est-ce qu'il se barre? Faut pas être dans la lave, hein, surtout. Ça, c'est très embêtant, sinon. Non, mais il se tire. Bon, c'est pas grave. On va aiguiser notre arme tranquillement. Quand même. C'est pas plus mal non plus. On pourra aussi, s'il va dans la zone où il y a les gros rochers, vous savez, lui mettre les rochers dans la tête. Hein, c'est pas mal aussi. Je vais virer la capine effugée le temps qu'elle se régénère, comme ça. Enfin, une capsule aveuglante. Moi, ce qui me fait peur, c'est son attaque bond, là, il fait une sorte de bond, et ça vous touche même dans le dos, en fait. Hein. Là, je me protège, ça va. Voilà, c'est ça. Cette attaque-là, elle vous touche vraiment dans le dos, en fait. Hein. Elle est vraiment risquée. Ok, je me suis pris une attaque, ma vie va remonter, c'est pas très grave. Je dois me mettre en position par contre. Donc là, il a une aura de feu autour de lui, donc là vous allez perdre de la vie si vous restez à côté de lui. Donc là, faut temporiser un petit peu quand même.
Il est vif hein, quand même. Moi je trouve que vraiment là, c'est une très bonne version de ce monstre là qu'ils ont fait. Là c'est vraiment sympa. Hein. Là j'aime bien tout ce qu'Alpha Suprême, c'est quand même vachement cool. Je suis vraiment fan de ces monstres là. C'est du bon challenge. Et ça donne du matos en plus, donc ça c'est vraiment énorme. Là j'ai pas la portée. Ok, la supernova, on va l'encaisser. Et voilà. Et là on en profite pour lui mettre tout ce qu'on peut. Non, je suis pas allé jusqu'au bout de l'attaque parce que je pensais pas que j'allais avoir le temps. Vous savez que ma vie remonte tout le temps quand même, c'est quand même plutôt impressionnant. Alors c'est un petit peu le mode tortue, c'est vrai. Hein. Ouh là, je me suis pris un gros souffle. Là par contre, là ça a fait mal. Je pensais qu'il était déjà passé le souffle, mais il semblerait que non. Allez ma vie hein. Elle a déjà bien remonté là. Ok, on a une ouverture hein. C'est ça qui est à chaque fois hein, qui est énorme. Feu de viverne. Voilà. Et je suis full life hein, en plus hein. Là j'ai peut-être pas le temps là. Je me protège. J'avais raison hein. J'avais pas eu... Si j'avais fait l'attaque là, je l'aurais pas fait de toute manière parce que j'avais pas le temps. Il s'endort. Ok, c'est super. Ça, c'est le palico qui l'a endormi. Hein. Ça fait vraiment plaisir aussi. Le palico, le petit mug maintenant. Par contre, on va pas pouvoir attendre malheureusement le feu du diable parce que là, j'ai plus le talent boom. Et là, du coup, ça va être un petit peu long. On va faire la cape temporelle. Et on va lui bomber la tête. Voilà. Je recharge là. Ok, il se m'a gueulé encore une fois. Je recharge. Là il est bien énervé là. Là il pète un câble. C'est bon, je l'ai mis en pleine tête, impeccable. Ma cape temporale est bientôt finie. Faut faire très attention à ça. Hein. De pas se lancer quand elle est plus là quoi. La cape temporale me permet vraiment de burst pendant un peu de temps. C'est vraiment agréable quoi. Là, faut faire gaffe, la supernova va pas tarder à être faite là. Croyez-moi, là, je le sens bien, la supernova arrive. Ok, ou il se barre, ouais. C'est soit ça, soit autre chose, voilà. Il va se tirer là-bas. Donc il y a un Kushala d'Aora extrême au fait dans la zone. Et à chaque fois que je l'ai rencontré, il a fait une sorte de bataille de territoire. Et le Théostra s'est pris vraiment beaucoup de dégâts. D'ailleurs, il faudra que je reprenne un breuvage frais, effectivement. Voilà, il y a le Kushala qui est ici. Normalement, bataille de territoire, vous allez pouvoir voir ça. J'en profite pour aiguiser mon arme, moi. Oula, non, ils se battent pas, on dirait. Étrange. Si, c'est bon. Bah dis donc... Alors, est-ce qu'il s'en va le Théostra ou pas? Bon, ça s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu.
On se prend le souffle une fois. Bon bah là on se l'est même pas pris, on était trop près, impeccable. Ok, supernova, encore une fois, on va l'encaisser tranquillement. Voilà, ça fait plaisir. Ok, il se met à voler. Je peux l'aveugler, je pense. Impeccable. Ah bon, je me prends l'explosion, hein. Ça c'est clair. J'ai pas eu le choix. Oh, je suis étourdi, c'est mauvais signe. Vas-y, petit chat, merci. J'esquive. Waouh, j'ai juste à temps, hein. On se prend le souffle une fois, et là on attaque. Ça marche à chaque fois. Parce que le souffle, en fait, il marche qu'une fois. C'est un peu bizarre, mais... On pourrait penser que quand il revient, tu te le prends quand même, mais en fait, non. Alors, j'ai ma cape, hein, bien sûr, mais là, j'ai pas le temps de la mettre. Hein. Ah, je me suis pris une explosion dans mon dos, vous avez vu qu'il en met partout, hein. Et je suis étourdi, là, c'est mauvais signe. J'ai pris une méga... J'ai pris une potion secrète. Vous avez vu que vous pouvez vite être, être dans la merde, hein. Encore une supernova, hein. Vous avez vu, là, ça plaisante pas, hein. Il en fait quand même beaucoup. Il va me charger. Ok, on a une ouverture, ça fait plaisir. Donc il n'est pas allé dans la zone des rochers, donc finalement il va mourir moins vite que prévu. Parce que la zone de rochers, ça fait de gros gros dégâts. Alors la grosse explosion qui arrive, attention, il en met partout quand il est énervé, hein. J'ai un petit tranchant bleu là. Ok, il y a des explosions. Ma vie remonte, regardez en haut à gauche, hein, de manière extrême là. Je me protège. J'aimerais bien qu'il se barre dans une autre zone pour que je puisse aiguiser mon arme tranquillement. Parce que là, il est resté très longtemps dans cette zone-là. D'habitude, il reste pas autant. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, je suis un tranchant vert, ça va rebondir. Là, c'est pas bon du tout. Ok, il boite, je le laisse boiter, hein, je le laisse se tirer. On a utilisé 2 méga potions, une potion secrète depuis la partie. Ça se passe quand même vraiment très très bien, je trouve. Je suis plutôt content, là. Je vais virer la cape inifugée, voilà, j'ai aiguisé mon arme. Je vais prendre un petit breuvage frais. Là, on est vraiment très très bien.
Je vais refaire des méga bombes barils pour lui faire sauter le caisson. Et là, on va le tuer dans la dernière zone. Hein. En plus, la cape temporelle pour me permettre de le burst. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc, prochaine vidéo, je vous montre son armure. Le set que je me suis fait avec le... Donc c'est un full set hein, que je porte, là, avec le katana. Et ça marche vraiment plutôt pas mal. Vraiment, ça fait plaisir. Une bonne armure. Ok. Bon, bah, c'est parti, hein. Allez, que la fête commence. Ok, il tombe sur le côté, en plus c'est énorme. Alors là, il va prendre cher. Hein. Si je lui mets le full burst... Dommage, il a pas eu le canon. La supernova, mais là on s'en fout, on a la cape temporelle, hein, je rappelle. Par contre, j'aimerais ne pas être dans la lave si possible. Alors il va charger. Là je pense qu'il a pris cher quand même. Hein. Il a pas tardé à mourir là. Je vais recharger mon arme. Dommage, il a reculé pendant l'attaque. Ma cape est bientôt finie, donc là faut que je fasse attention. On recommence à se protéger directement parce que on ne peut pas prendre de risques. Qu'est-ce qu'il fait? Grosse attaque, d'accord. On se protège, on se retourne, on lui met des petits coups de lance. Et il a quand même réussi à me mordre là. Je suis dans la lave, là c'est pas bon. Là je suis dans la lave et tout. Ma vie va remonter un petit peu, heureusement. Ouh là, alors là, j'ai plus de vie. Là, j'ai plus de vie du tout. Est-ce que j'ai le temps de me soigner. Le truc, c'est qu'il fait des dégâts autour de lui, hein, avec son aura de feu. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et ma vie ne remontait plus jamais, en fait. Et il y a la lave partout dans cette zone-là, elle est un petit peu chiante. Donc là, c'est vrai que là, le risque était présent. Allez, je pense qu'il va mourir. Toujours pas. Il a beaucoup de vie hein, en fait. Hein. Et c'est clair que moi je trouve aussi qu'il a beaucoup de vie. Hein. Ça va exploser. Et c'est bon, il est mort. Ouh, c'était chaud hein, vers la fin. Il était bien vénère là, vers la fin. Là, il m'a fait un petit peu peur. J'avais un pixel de vie. En plus, ma vie remontait plus parce que son aura de feu autour de lui faisait de bons dégâts justement. Bon bah c'est nickel, hein. 3 sur 4, 2 vaincus déjà. Le Théostra, donc oui, au fait, allez prendre les roquettes, hein. Je l'avais pas fait au début. Allez prendre les roquettes, hein. C'est ça, sinon je les aurais déjà accomplis depuis bien longtemps, pour les sphères d'armure justement. Pas hésiter à chaque fois d'aller voir l'intendante, dans roquettes, et là ça les active, etc. Et là ça devient intéressant. N'hésitez pas aussi à prendre les trucs, tuer des dragons, etc. Pour optimiser le farm de sphères d'armure, vous allez en avoir besoin pour améliorer justement les nouvelles armures qui vont arriver prochainement. Ça demande pas mal de sphères d'armure. J'en ai farmé quelques-unes, donc j'ai pas mal de temps. L'armure est déjà presque améliorée au maximum. Ça monte plutôt vite, mais c'est quand même du farm, hein. C'est un petit peu long. Faut vraiment prendre... En fait, le but, c'est vraiment de prendre les roquettes qui se complètent d'elles-mêmes. Genre, tuer... tel monstre, tuer tel monstre, et tu fais t'en fais 3-4 en même temps à chaque fois, et là ça monte bien par contre. Ouais, le screen est sympa, une gemme, 21 maintenant, 21 gemmes,
Ouais, on a pas mal de trucs là. Et le petit ticket qui fait plaisir, hein, j'en ai maintenant 12. 20 minutes pour le tuer, hein. Quand même pas mal de temps, hein. Il a quand même beaucoup de vie, hein. Ça c'est clair. Ça se voit quand même dans le combat. Il tombe pas souvent sur le côté, etc. Mais ça se fait quand même pas mal. Donc en tout cas, vous avez vu que mon mix fonctionne bien. On a une bonne résistance au feu, on a une très bonne régène de vie, on est immunisé au fléau explosion, on a de bonnes ouvertures, on a mis 20 minutes pour le tuer en mode défensif, ce qui est quand même pas trop mal du tout. Je rappelle que c'est un monstre alpha suprême, on peut pas se la jouer comme on veut, comme on voudrait, en mode on attaque tout le temps, il n'y a aucun problème. Il fait quand même mal, donc vaut quand même mieux des fois, vaut mieux mettre 20 minutes et le tuer, qu'y aller en mode speed en 10 minutes, et puis des fois ne pas réussir parce qu'on va mourir en faisant un petit peu n'importe quoi. Là, moi, je suis bien, là, ce petit mix que j'utilise, là, il me permet de le tuer de manière vraiment optimale, sans trop de problèmes, et je suis quand même plutôt content. Donc, voilà, les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, attendez, je vous remonte d'ailleurs le mix que j'utilise, au fait, hein. Donc, j'utilise la Cri Impératrix Styx, hein, c'est l'arme Lunastra Xenogiva, hein, le Cache-œil Roi Dragon pour mise à mort à niveau 2, l'Aubert Baselgeuse pour Paladin niveau 2, l'avant-bras du Valazak, ça, les trois pièces, c'est pour obtenir justement la régène de vie, de la vitalité du Valazak. Le collier de preux, c'est paladin niveau 3, très important avec le Lobert Baselgeuse pour avoir paladin niveau 5. Ça fait qu'on prend pas de dégâts, le tranchant diminue pas quand on se fait taper sur le bouclier, tout ça, c'est énorme. Cap temporel, c'est pour burst, cap inifugé, c'est pour se protéger, puis survivre à l'aura de feu autour de lui, tout ça. Les talents qu'on a du coup, c'est la super récupération, hein, ça permet de récupérer la vie au-delà de la zone rouge, donc on récupère de la vie en permanence, hein, couplé avec une transcendance régénération, c'est énorme. Paladin niveau 5, profondeur de dragon, ça sert à rien avec une gueule lance explosive comme la mienne, mais bon, si vous avez une arme dragon, ça peut toujours être intéressant. Anti-explosion, ça c'est les joyaux que j'ai mis dessus, 3 joyaux pour justement être immunisé au fléau explosion, afflux de vie pour avoir 200 points de vie. Halo de guérison, quadruple la vitesse de récupération après des dégâts temporaires, c'est énormissime. Inifugé, défense de feu plus 20. Sans ça, j'ai une résistance au feu très négative et je me fais one shot. C'est obligatoire, si vous avez une mauvaise résistance au feu, ça va être très compliqué pour vous. Mise à mort de niveau 3, affinité plus 50%. Performance optimale niveau 1, ultra garde niveau 1, assez trempé niveau 1 qui permet de déguiser mon arme pour pas qu'elle perde de tranchant pendant un certain temps. Et samouraï franc-tireur sur l'arme pour pas qu'elle perde de tranchant rapidement, donc du coup c'est que le tranchant dure deux fois plus longtemps et vous avez vu que c'était bien nécessaire finalement. Et du coup, avec tout ça, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Hein. Utiliser donc 2-3 méga potions dans la partie, une potion secrète, parce que la première, je l'ai utilisée au début de la mission pour avoir 200 points de vie, justement. Et donc, manger bien la nourriture, résistance au feu, et ça se passe vraiment très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour vous permettre de battre le Théostra Alpha Suprême. Franchement, il fait mal quand même, hein, il fait quand même très mal. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, il a de nouvelles techniques un petit peu, mais des explosions un peu partout et tout. Mais ça se passe bien. C'est un combat qui se passe bien, qui est quand même plutôt agréable à faire, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, les amis. Je voulais vous abonner pour les prochaines vidéos. Laissez un maximum de pouces bleus comme toujours sur cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon mix, comme toujours, que je peux améliorer comme je veux. J'ai beaucoup de joyaux que je peux mettre dedans. C'est ça qui est intéressant, justement. Et puis, bah voilà, prochaine vidéo, je vous montre la nouvelle armure du Théostra. Elle n'est pas encore boostée au maximum, donc je vais la finir de la booster, là je vais farmer un petit peu. Ça va pas être très long, hein. Prenez bien les requêtes en attendant, d'ailleurs. Et puis, on va le faire au katana avec la nouvelle armure du Théostra contre lui-même, ça va être très intéressant. Je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, ciao ciao!